dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Heikki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. À 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km, mais nous avons eu le droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, il s'élance en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça.
Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Esteban est à l'entrée des stands. C'est bon, vas-y. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Bravo, tu viens de gagner une place.
La piste est dégagée, drapeau vert. Voici l'écart avec notre coéquipier. 18,4 secondes. Il nous reste 5 tours de carburant. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,1 secondes. Creuse l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière.
Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Les pilotes qui montent sur le podium peuvent être fiers de leur performance. Bravo aux gagnants de ce Grand Prix de Hongrie. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes.